这次现在坐在福州新天亮。哪里哪里，这次旅程十分愉快，感谢贵公司的热情接待。应该的，我们很高兴与贵公司合作，这一笔生意我们一定尽快落实。好的，如果有新的进展，希望您立刻联系我。没问题，我们公司的总经理让我赚了他的感谢，他也很开心与你们成为生意伙伴，并希望以后有更多的合作机会。我们很期待能与几位再次见面，希望你们能去中国，我们一定也会好好接待。太好了，十分期待。那我们出发吧，阿德经理，您留步，我们要上车了。二位路上小心，祝你们一路平安。谢谢，再见。再见，小李，再辛苦您一下，送上门去机场。好的，没问题，经理一会儿见。一会儿见。李助理，这些天您一直陪着我们，真是辛苦了。您客气了，二位回国以后有事情可以直接联系我。好的，这笔生意您可以和丁助理对接。没问题，那我就不耽误二位的时间了，请二位落地以后给我发一条微信。好，李助理请回吧。好的，二位一路平安。谢谢，谢谢，再见。再见，再见。关经理、丁助理，这次现在坐在福州，请见谅。哪里哪里，这次旅程十分愉快，感谢贵公司的热情接待。招待 ，synonyme de 接待 ，mot de la leçon douze signifie également accueillir ou recevoir, et peut être traduit comme servir dans certains contextes. 步骤 est l'antonyme de 周到 ，mot de la leçon six désigne souvent un accueil peu organisé.招待不周 veut littéralement dire un accueil insatisfaisant ou une hospitalité insuffisante. C'est une expression courtoise utilisée pour s'excuser lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir bien servi les invités. Cependant, dans la pratique, on peut l'utiliser même lorsque l'accueil et le service étaient satisfaisants, car dans la culture chinoise, il est souvent considéré comme poli et humble de s'excuser ou de s'autocritiquer, même lorsque l'on a fait de son mieux.见谅, excusez, pardonnez. Un mot beaucoup utilisé dans la formule de politesse, 请见谅, veuillez m'excuser, veuillez me pardonner. 旅程, voyage, trajet, parcours, synonyme de 旅途 dans la leçon 7. 这些天招待不周, 请见谅. Ces derniers jours, l'accueil a été insatisfaisant, veuillez m'excuser. 哪里哪里这次旅程十分愉快，感谢贵公司的热情接待。Mais non, ce voyage a été très plaisant. Merci à votre entreprise pour son accueil chaleureux. 应该的，我们很高兴与贵公司合作，这一笔生意我们一定尽快落实。好的，如果有新的进展，希望您立刻联系我。应该 devoir, avoir l'obligation de.应该的 est couramment utilisé pour reconnaître et accepter les remerciements, les faveurs ou les attentes sociales en exprimant que c'était la bonne chose à faire. Nous pouvons le traduire comme « c'est normal » ou « c'est ce qu'il faut ». B. Classificateur d'une affaire ou d'une transaction. 落实 mettre en œuvre, effectuer. Exemple, mettre en œuvre un projet.落实一个计划 Mettre en œuvre une affaire commerciale 落实一笔生意进展 Avancer Avancement 立刻 Immédiatement Tout de suite Synonyme de 马上应该的我们很高兴与贵公司合作 C'est normal Nous sommes ravis de collaborer avec votre entreprise
这一笔生意我们一定尽快落实。Quant à cette affaire, nous la concrétiserons dès que possible. 如果有新的进展，希望您立刻联系我。S'il y a de nouveaux avancements, j'espère que vous me contacterez immédiatement. 没问题，我们公司的总经理让我赚了他的感谢，他也很开心与你们成为生意伙伴，并希望以后有更多的合作机会。转达 transmettre, dire de la part de quelqu'un. 成为 devenir, 伙伴 partenaire.并 en plus, d'ailleurs. 我们公司的总经理让我转达他的感谢，他也很开心与你们成为生意伙伴，并希望以后有更多的合作机会。 Notre directeur général m'a demandé de transmettre ses remerciements. Il est également ravi de devenir votre partenaire commercial et espère avoir plus d'opportunités de collaboration à l'avenir.我们很期待能与几位再次见面，希望你们能去中国，我们一定也会好好接待。太好了，这份期待。我们很期待能与几位再次见面，希望你们能去中国，我们一定也会好好接待。Nous sommes impatients de vous revoir tous. Nous espérons que vous pourrez venir en Chine. Nous vous accueillerons également chaleureusement. 太好了，十分期待。C'est génial.Nous sommes très impatients. 那我们出发吧，阿德经理，您留步，我们要上车了。二位路上小心，祝你们一路平安。谢谢，再见。留 ，reste, garde. 不 ，le pas. 留步 ，une expression formelle pour décliner poliment l'accompagnement de quelqu'un lors d'un trajet.Selon le point de culture de la leçon 7, nous savons que les Chinois accordent une grande importance à l'accueil des invités à l'aéroport, ainsi qu'à les accompagner jusqu'à l'aéroport pour les saluer au moment du départ. En tant qu'invité, il est donc important de connaître ce terme. Si nous sommes prêts à partir et que nous ne voulons pas déranger l'hôte en le faisant, nous pouvons dire « Liu bu », ce qui signifie « Vous pouvez rester » ou « Ne vous dérangez pas pour me reconduire ».平安 ，sain et sauf， 一路平安 ，bon voyage ou bonne route， formule de politesse pour souhaiter un voyage sûr et sans encombre à quelqu'un， surtout pour ceux qui se déplacent en avion. Le point de culture vous l'expliquera. 那我们出发吧 ，partons. 阿德经理，您留步，我们要上车了。Monsieur, ne vous dérangez pas pour nous reconduire.Nous allons prendre la voiture. 二位路上小心，祝你们一路平安。Prenez soin sur la route. Je vous souhaite un bon voyage. 再见，小李，再辛苦您一下，送上门去。好的，没问题。经理，一会儿见。一会儿见。小李，再辛苦你一下，送他们去机场。小李 ，je vais encore t'embêter.Tu peux les conduire à l'aéroport. 没问题，经理，一会儿见。Pas de problème. À tout à l'heure. 时间差不多了，我们去办理登机手续吧。好，李助理，这些天您一直陪着我们，真是辛苦了。登机 ，embarquement. 时间差不多了，我们去办登机手续吧。Il est presque temps.Nous allons faire l'enregistrement pour le vol. 这些天您一直陪着我们，真是辛苦了。Vous nous avez accompagnés pendant tous ces jours. Merci beaucoup. 您客气了。二位回国以后有事情可以直接联系我。好的，这笔生意您可以和丁助理对接。对接 ，échanger, coordonner. 您客气了。二位回国以后有事情可以直接联系我。Je vous en prie. Après votre retour en Chine, vous pouvez me contacter directement si besoin. 这笔生意您可以和丁助理对接。Quant à cette affaire, vous pouvez voir avec Madame Ding. 没问题，
那我就不耽误二位的时间了，请二位落地以后给我发一条微信。耽误 retarder, déranger quelqu'un dans son timing. Il s'emploie souvent dans cette expression. 耽误他的时间 le retarder, le déranger dans son timing. 落地 tomber à terre, atterrir. 那我就不耽误二位的时间了。Alors, je ne vous dérange plus. 请二位落地以后给我发一条微信。Veuillez m'envoyer un message WeChat après votre atterrissage.好，李助理，请回吧。好的，二位一路平安。谢谢，谢谢。再见。请回 est une expression courtoise utilisée pour demander à quelqu'un de partir de manière respectueuse ou lorsque vous voulez suggérer à quelqu'un de quitter un endroit. Ça peut se traduire comme je ne me retiens pas pour plus longtemps. 李助理，请回吧。Je ne vous retiens pas pour plus longtemps, Monsieur Li.二位一路平安 ，Bon voyage à vous。Mot d'adieu. Lors des adieux en Chine, les gens utilisent souvent des expressions courtes pour exprimer leurs souhaits sincères. Quand l'hôte dit au revoir à l'invité et que ce dernier ne part pas très loin, l'hôte dira souvent Manzhou. Cela ne signifie pas que l'hôte demande à l'invité de marcher lentement.Mais exprime le souhait que l'invité fasse attention à sa sécurité et arrive à destination en toute sécurité. Pour de longs voyages, depuis une gare ou un port, l'hôte peut dire Ilu Shunfeng, bon voyage, Ilu Shunli, bonne route, ou Lutru Gu Kuai, joyeux voyage. Cependant, à l'aéroport, il est préférable de dire Ilu Ping An, bon voyage en toute sécurité, pour des raisons de sécurité liées au vent contraire lors du décollage et de l'atterrissage.Avec le développement économique et la langue qui évolue, les adieux sont de plus en plus personnalisés. Par exemple, lorsque l'on dit au revoir à un ami, on peut simplement dire Pan de Kressing, amuse-toi bien. En fin de compte, peu importe les mots utilisés lors des adieux, l'essentiel est qu'ils soient sincères.